pas en confinement, mais daron, je pense comme tous les darons, en mode gros jardinage. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, tous les coins de la maison qu'ils avaient jamais regardé, ils étaient là. Et si on aménageait ça? Au-dessus de mon garage, t'as genre un petit terrain avec des arbres et tout. Pourquoi pas? Vas-y, on l'aménage, on enlève les herbes mortes et tout. Il y avait Elliot avec nous, donc mon père commence à jardiner, machin, et il monte sur un arbre. Donc c'est haut, je sais pas le mettre à peu près, mais c'est haut, qui commence à faire le con avec Elliot parce qu'il croit qu'ils sont meilleurs potes, et qui regarde Elliot et qui fait genre Tarzan. Le mec a 18 ans alors que pas du tout, il en a 50 et qui fait 100 kilos. Qu'est-ce qu'il fait sur un arbre qui a une brandille? Moi, j'étais dans ma maison en train de chanter du Beyoncé. Mais les mains, c'était à ma mère. Chérie, descends de l'arbre, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'entends. Oh putain! Oh putain! Appelle les pompiers! Appelle les pompiers! Bon, le bruit c'était pas. C'était POUM! Mais vas-y, j'ai flemme de faire le bruit. Et là, j'entends mon père qui souffre. Et vraiment un bruit de souffrance, genre. Et moi, je sors. Et là, il dit: je me suis fait perforer l'anus! Je me suis fait perforer l'anus! Là, la mère qui dit à Elliot, donc quand même, le beau-fils, hein. Monte! Elliot, monte! Il faut que tu nous dises comment le trou il est. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est glissé de l'arbre et qu'il s'est fait perforer. Il s'est fait perforer. En fait, tu vois les grillages. Bon, tu dessines un grillage, merde. Enfin, il y avait un pic. Il se l'est enfoncé dans le cul, meuf. Et pendant ce temps, donc ma mère, quand même, qui est au bord des larmes. Elle est au bord des larmes. Et mon père qui lui montre son anus et qui lui dit: il est comment là? Il est comment? Et Elliot qui décrit à ma mère, quand même. Bah là, c'est vachement ouvert, quand même. Hein. Elliot qui devient blanc. Moi qui tombe dans les pommes. Je cours dans ma chambre parce que je ne vois plus rien, je vois flou. J'ai les oreilles qui sifflent. Mon frère qui me dit: non, mais t'inquiète, au pire, ça a trouvé son anus. Il aura une poche à caca. Et là, j'imagine mon père avec une poche à caca. Et les pompiers arrive, meuf, 6 camions qui arrivent, ils sont là en mode: s'il faut, ça a touché une artère, il peut mourir à tout moment. Bon, là c'est pas très drôle, mais c'est la vérité. Moi je retombe dans les pommes, qu'en fait moi je n'étais absolument pas là parce que je faisais: ah, il a un trou dans l'anus, je vais dans les pommes, ah ok, il va mourir. Je tombais dans les pommes. Et Elliot qui décrivait la plaie aux pompiers: ah, alors là il y a du sang. Et mon père, ma mère qui pleurait, mon frère qui était là tranquille, il aura une poche à caca. Les pompiers qui l'embarquent dans le truc et tout. Et comme c'était le coronavirus, on pouvait pas aller avec lui. Il s'est fait opérer. Au final, c'est passé à 1 mm de l'anus, 1 mm de l'artère fémorale, et il est rentré. Il était sur le plat ventre pendant 3...